And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory for is the power, is the glory for Yeshua. My voice, the most beautiful among thousands. Bonjour à tout le monde. Vous me direz si le son est bon, hein, parce que là j'ai changé les écouteurs. My beloved. Bonjour à Genteuil Jacqueline. Bonjour à Elie Urich. Bonjour à Mich Govinda. Anneli Fiotti. Apôtre Mandala. Bonjour à vous. Bonjour à Maria Amgar. Bonjour à Leslie Bikono. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Bonjour à Dorcas Martin Vogo Ngono. S'il vous plaît, partageons la vidéo et envoyons des cœurs et les pouces bleus. Je vous en prie. Partage la vidéo et mettons les cœurs et les pouces bleus. Les cœurs et les pouces bleus. C'est pour booster notre direct. Pour qu'il puisse atteindre plusieurs personnes en même temps. Donc, voilà, bienvenue. Ruth Emma. Shalom à vous aussi. Un seul épouse Mobio. Odine Zinsou. Que Dieu vous bénisse. Mohamed Sidibe. Bonjour à vous aussi. Sorel Nesli. Adini. Bonjour. Martial Satio. Bonjour à tous ceux qui sont là pour la première fois sur ma page. Que le Seigneur vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une grande joie pour moi, un grand honneur de vous avoir dans ce direct. Que Dieu vous bénisse. Extraordinaire. Voilà, c'est un plaisir. Nous sommes à Berthois pour la grande campagne d'évangélisation. Et nous sommes en train de clôturer aujourd'hui. Excusez, j'essaye de faire une mise en place. Ça va ici, ce n'est pas évident. Oh. Ok. Les rost twilights. Voilà. Ok. Donc, bonjour à chacun d'entre vous. S'il vous plaît, partageons la vidéo et surtout, envoyons les cœurs et les pouces bleus. Ok. Les cœurs et les pouces bleus. Les cœurs et les pouces bleus. Envoyons les cœurs et les pouces bleus. Ça dit. Voilà. Partageons la vidéo, partageons le maximum parce qu'on doit parler des choses un peu sérieuses. Donc, nous sommes dans la ville de Berthois. Tous les habitants de Berthois, vous devez le savoir pour ceux qui ne sont pas au courant. Nous sommes à Ancienne SCT Mokolo 1. On a commencé hier. Non, avant-hier. Hier et aujourd'hui, je clôture le programme de Berthois et nous retournons sur Yaoundé pour Atmosphère de Miracle ce vendredi. Et dimanche, on fait culte lundi. Nous sommes en route pour Ngaoundéré. Parce que comment ce programme en Ngaoundéré. Voilà. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Voilà. Axel Précieux dit, je vais finir par avoir le panari tellement j'envoie les cœurs. Voilà. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est extraordinaire. Voilà. Partageons la vidéo et envoyons les cœurs, s'il vous plaît. Invitons des gens, des frères, des sœurs, des amis, même des ennemis, à suivre ça, parce que si vous connaissez un pasteur du plein évangile, un pasteur de l'EMEC, un pasteur des assemblées de Dieu, taguez-le. Invitez-le à ce direct, parce que je vais parler de certains des hommes de Dieu, de ces églises sœurs. On va parler de chacun, on va parler de
Ouais, toucher ça. Donc, je disais aux habitants de Bertamindo, donc, les malades, je vais prier avec vous ce soir et on aura un festival de prophétie ce soir. Hier, c'est que j'étais scandalisé par le nombre de femmes qui ont vécu plusieurs années avec des hommes qui ne les ont pas épousés. Ça, je vous assure, j'étais abasourdi, j'étais ahuri, j'étais époustouflé, j'étais époumoné, j'ai été désemparé, j'ai été étourdi, j'ai été hurluberlué, j'ai été luluberlué. Ouais, bon, dans tous les cas, j'étais dépassé de comprendre qu'il y ait autant de femmes qui ont vécu avec des hommes autant d'années, 20 ans, 25 ans, mais l'homme ne les épouse pas. C'est la sorcellerie, mes amis, c'est la sorcellerie. Et je le dis, je le répète, tout homme qui vit avec vous pendant de longues années, mais en 10 ans, on peut épouser une femme. C'est-à-dire que supposons que tu économises 100 francs par jour, en 10 ans, c'est suffisant pour épouser quelqu'un. Non, mais sincèrement. Et je ne sais pas comment les femmes vivent ça, vraiment. Ça, c'est compliqué d'être une femme. Ça, je l'avoue. Il y a tellement de complications dans la nature féminine. La grossesse, l'accouchement. Maintenant, il y en reste des femmes qui ont des enfants avec des gens à gauche, à droite, des pères qui ne reconnaissent pas les enfants, des mères célibataires avec enfants dont les pères sont perdus dans la nature. Toutes ces choses-là compliquent l'existence de plusieurs femmes. Et puis, tu vas consacrer ta vie, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, à un homme. Après, le connard va sortir et il te dit que non, sa mère lui a dit d'aller prendre une femme au village. Il t'abandonne avec les 5-6 enfants. Il s'en va. Ta vie est détruite. Le bonhomme continue son chemin comme si de rien n'était parce qu'il ne porte pas sur lui les stigmates de l'enfantement et de la grossesse. Ouais. Donc, c'est pour ça que les femmes doivent être très prudentes dans leurs choix. Il faut être très prudent dans vos choix. Parce que quelque part aussi, on ne vous a pas forcé, on ne vous a pas mis un pistolet à la tempe. C'est ça la réalité. Donc, moi, je pense qu'il faut vous responsabiliser. On a besoin d'une responsabilisation au niveau des femmes et d'une conscientisation en même temps. Parce que, voilà, c'est aussi simple que ça. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Donc, hier, vraiment, ça gâtait ma soirée. Je n'arrive pas à croire. Je croyais qu'on aurait peut-être 5-6 femmes, bon, tout au plus 10 femmes qui viendraient, se plaindraient que, oh, vraiment, le monsieur, il avait 5 ans, 6 ans, mais je savais pas que c'était toute une vie. 30 ans, 25 ans. Mes amis, c'est très sérieux. Mais à la fin, le monsieur commence à pencher vers les filles de son village. Mais attention, il faut faire attention. Et surtout, du côté des Bamileke, c'est quelque chose de très sérieux. Hein. Parce que les Bamileke, certaines familles, pas tous les Bamileke, hein. Il y a des Bamileke libéraux. Il y en a aussi qui sont très conservateurs. Donc, eux, le mariage, là, c'est entre eux. Donc, quand tu t'engages avec un Bamileke, il faut que tu comprennes déjà à quoi t'attendre. Il faut savoir que ce risque-là existe et savoir comment tu vas le gérer. Il faut qu'en t'engageant, que tu saches, que tu considères que c'est un problème qui est réel et auquel tu dois faire face. Et puis, bon, tu t'engages. Après, là, vraiment, c'est ta vie, hein. C'est ta vie. Tu ne vas pas aussi te plaindre ou plaindre quelqu'un. C'est ça aussi le revers de la situation. C'est ta vie. Mais si on te vole 50 ans, c'est ta vie. C'est ton choix. Tu as fait le choix. Et donc, en ce moment-là, il faut assumer tes choix. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on plaint les hommes, mais il faut assumer ton choix. Parce qu'on ne t'a pas mis la corde au cou. Tu peux bien dire, OK, moi, je n'en peux plus, je m'en vais. Bon, si tu veux, tu m'aimes vraiment, viens me chercher chez mes parents, c'est tout. Et puis, ça serait comme ça. Sinon, on te dit, je vais t'épouser l'année prochaine arrive. Il te dit, je t'épouserai l'année prochaine arrive. Je t'épouserai l'année prochaine. Ça fait déjà 5 ans, l'année prochaine. Ça fait 10 ans, l'année prochaine, 15 ans. Mais comprends qu'il ne veut pas t'épouser. C'est ça la réalité. Mais si tu es un homme aussi, tu avais une femme, au lieu de perdre le temps, tu la trompes, tu lui montres que tu vas l'épouser, mais tu es maudit. Tu es maudit. Parce que tu détruis une vie. Une vie, parfois même que quelqu'un d'autre pouvait prendre, et il sécurise bien ça. Il prend bien soin de la fille. Valorise la fille, elle serait bien. Longtemps. Le Seigneur m'a parlé d'une jeune femme hier. Pour ceux qui ont suivi mon direct, la jeune dame est arrivée, elle a vécu 20 ans avec un monsieur. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des hommes qui sont venus pour l'épouser. Mais elle a refusé parce qu'elle a dit qu'elle est avec ce monsieur-ci. Ouais. Il y a un jeune homme là que le Seigneur m'a montré. J'ai oublié le nom. Il m'a dit que le monsieur allait l'épouser. J'ai donné le nom du monsieur. Elle nous a dit que oui, il est venu pour l'épouser. Mais elle a dit que non, elle avait son homme. Elle est déjà mariée avec un homme qui ne l'a jamais doté ni jamais mené à la mairie. Et le monsieur a dit OK. Et puis le monsieur allait se marier. Elle serait dans un foyer.
elle serait respectée, elle porterait le nom de quelqu'un aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour les femmes qui veulent se marier, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui veulent se marier. Hein. Je parle pour celles qui veulent se marier, pour ceux qui connaissent la valeur du mariage. Donc, ces choses-là, moi, ça m'a un peu perturbé hier. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Donc, on va revenir un peu sur cette histoire-là de certains pasteurs. De la même façon, hier, je n'ai pas pu faire mon direct comme je voulais. On a fait la pose de la première pierre et puis les travaux ici-là sont déjà enclenchés. Nous bénissons Dieu pour cela. Et on souhaite que ça soit terminé le plus tôt possible. Donc voilà, bien-aimés, il faut savoir que moi, je pense que vraiment l'Église souffre beaucoup. L'Église souffre. L'Église de Dieu souffre beaucoup. Et je veux parler d'une situation qui dure aujourd'hui plus de 10 ans. Je n'ai jamais parlé de ça. Je n'en ai jamais parlé. Aujourd'hui, je voudrais revenir là-dessus. Je voudrais parler. Ce n'est pas une plainte, mais je pense que c'est qu'on doit tirer des leçons, des enseignements de cette situation. Je veux parler de certains hommes de Dieu, des assemblées de Dieu, de certains hommes de Dieu, de l'émec, de certains hommes de Dieu du plein évangile. Il y a beaucoup d'autres églises, hein, beaucoup d'autres ministères qui me combattent, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, qui prêchent contre moi dans leurs églises, qui prêchent contre moi. Je ne suis pas dans leurs églises, je ne veux pas dans leurs églises, mais ce sont leurs propres brebis qui viennent me raconter ce que leurs pasteurs font. Certains sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord, d'autres se disent non, vraiment. Nous, ce qu'on voit à la télé, là, ça fait que beaucoup de ces églises-là, leurs fidèles viennent dans mes cultes en cachette. Leurs fidèles sont abonnés à mes pages. Leurs fidèles sont abonnés à ma chaîne de télé. Ils suivent ma radio. Pourquoi? Parce que je pense que le monde a évolué. L'Église aussi a évolué. Et puis les gens que nous dirigeons dans nos églises, ce n'est pas des moutons. Ce n'est pas des animaux, en fait. C'est des êtres humains, parfois plus intelligents que nous. C'est pour ça que je dis souvent à mes fils, qui sont pasteurs à Réma, je leur dis que ne pensez pas que parce que vous prenez le micro pour prêcher aux gens, aux hommes et aux femmes, alors vous êtes supérieur à eux. Non, vous prêchez à des personnes plus intellectuelles que vous, ou certaines d'entre elles, à des personnes plus riches que vous, à des personnes plus nantis que vous, à des personnes qui ont plus de notoriété sociale que vous, donc à des personnes respectables. C'est cela qu'il faut que chaque prédicateur, chaque pasteur respecte ses brebis. Il faut ce lien de respect, ce rapport de respect entre le berger et la brebis. Il ne faut pas minimiser les gens parce qu'on se dit être pasteur, parce qu'on a la parole sur les gens, on pense qu'on a autorité sur leur vie. On n'a aucune autorité sur leur vie. C'est celui qui est mort sur la croix pour elles, c'est-à-dire pour ces brebis-là, qui a autorité sur leur vie. Il a dit, Ego eimi he opohi men ho kalon. Moi, je suis le bon berger. Vous voyez? Il dit, moi, je suis le bon berger. Donc, c'est à lui, le bon berger, d'avoir autorité sur ses brebis. Ce n'est pas au berger. Nous sommes des gardiens. On est juste des gardiens. Donc, on n'a aucune autorité sur vous. On est des gardiens. On a été recrutés comme des vigiles pour veiller sur vous. Il faut respecter les brebis. Il faut les respecter. Donc, ces gens à qui nous parlons, à qui nous prêchons, qui sont assis là parfois tranquilles, ne disent pas, ont des diplômes que nous n'avons pas, qu'on n'aura même jamais. Ont voyagé ou nous ne voyagerons jamais. Tu viens, tu prends le micro, tu te mets à vociférer des insultes, des paroles méprisantes envers des gens qui te dépassent, même où dormir. Il y a un de mes fils qui a manqué de respect à une maman à Douala et j'ai vu ça. Je lui ai dit que tu es malade dans ta tête. Tu parles à une maman qui a des enfants plus grands que toi et qui a sa maison, elle a des locataires. Toi-même, payer ton loyer, tu n'arrives pas à payer. Si l'église ne paye pas ton loyer, là, tu es foutu. Tu ne sais même pas où tu vas dormir. Et tu parles à quelqu'un qui accomplit sa destinée, à une mère qui, dans sa famille respectée, elle a des enfants qu'il appelle maman. Et tu viens, tu es peut-être son petit-fils, tu veux lui parler avec irrespect parce que tu es pasteur. Pasteur de quoi même? Quel genre de pasteur même en plus? C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui, mes amis. Donc il faut que les gens comprennent que lorsque vous allez dans vos églises insulter d'autres hommes de Dieu, les gens sont intelligents. Les gens sont très intelligents. Donc les gens, ils comprennent, ils discernent. Pensez pas que tout le monde va avaler, gober ce que vous dites là, juste comme des bénis, oui.
et puis ils se rangent derrière vous pour combattre des personnes qui ne leur ont fait aucun mal. Les gens ont aussi l'intelligence de pouvoir discerner de l'enseignement que je donne, de l'œuvre que je mène de la part du Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut savoir que Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Je ne me suis pas appelé. Le Seigneur m'a appelé et lui a plu de m'appeler. Donc, le problème commence à partir des assemblées de Dieu. C'est ça la vérité. Parce que c'est aux assemblées de Dieu que j'ai été formé. Voilà, il y a aussi une autre église là qu'on appelle Jéricho. Qui parmi ces églises là, où les leaders me combattent. Et ça, je sais ça. Les gens nous rapportent tout ce qu'ils disent, mais c'est leur problème. On est tous serviteurs de Dieu. On comparaîtra tous devant le tribunal de Jésus-Christ et chacun dira. Chacun justifiera ses dires devant l'éternel Dieu. Mais je sais que la Bible dit que tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Mais quand le Seigneur m'a appelé en 2005, quand le Seigneur m'appelle en 2005, il me dit, c'est le Seigneur qui me demande d'aller au séminaire de théologie des assemblées de Dieu. En 2005, j'habitais chez le conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire de l'époque. Il était à Bastos, on l'appelait le frère Paul. Il était aux assemblées de Dieu. À cette période de ma vie, en 2005, c'est l'une des périodes où j'ai eu le plus de révélations dans ma vie. Plus de révélations. Dieu m'avait tellement parlé parce que vous savez qu'un homme courtise une femme, drague une femme, c'est souvent comme ça. Donc c'était un peu ça, c'était un peu l'année de la drague de Dieu pour moi, où Dieu essaie de me convaincre à cette mission parce que j'avais juré ne jamais être un pasteur ou un homme de Dieu. Ça, nous on connaissait. Venant de la vraie église, nous avons vu comment les pasteurs souffraient. Nous, on savait que les pasteurs, c'est la souffrance, la pauvreté, c'est la honte et tout ça. Et j'avais dit, moi, je ne peux pas être pasteur. Donc, j'étais très intelligent à l'école et j'étais à l'université. En 2000, je suis venu à l'université à Yaoundé. J'étais inscrit en linguistique et langue africaine, LLA. Nous sommes le premier, allez demander à Ngoïkele, c'est en 2000-2001. J'étais la première promotion de la filière linguistique et langue africaine en Guayaquil. Nous étions la première promotion. On était peut-être 4 ou 5 ou 6 étudiants. C'était l'année-là qu'on a ouvert cette filière-là. Il y avait notre filière à la LGA, la linguistique générale appliquée. Donc, les professeurs de l'université s'est rendu compte que le département de linguistique s'est rendu compte que nous n'étions pas nombreux en LLA. C'est-à-dire en linguistique et langue africaine, parce que je voulais approfondir mes connaissances en langue africaine à cause de mes écritures que j'ai inventées. Et comme le département de linguistique s'est rendu compte qu'on n'était que 4 ou 6 ou 5, alors on nous a tous basculés cette année-là en linguistique générale appliquée, en attendant que beaucoup d'autres étudiants s'intéressent en linguistique et langue africaine. Donc, ça fait 23 ans aujourd'hui que ça s'est passé. Donc, j'étais quelqu'un d'intelligent. Et puis, j'enseignais même déjà. Avant même quoi que ce soit, j'enseignais à l'Omnisport là-bas à cette époque-là, au Colpro, au Collège protestant. Voilà, la vraie église, parce que j'étais à la vraie église à l'époque. Alors, ce qui va se passer, c'est que quelques années après, le Seigneur va m'apparaître en 2005, étant chez l'ambassadeur, le conseiller de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. On était en train de manger ensemble, on était à table, avec le frère Paul. Et quelque chose s'est passé. On mangeait. Mais j'entendais toujours la voix de Dieu qui me disait, je t'appelle à mon service, je t'appelle à mon service, je t'appelle à mon service, tu dois me servir, tu dois me servir. Cette voix retentissait comme une trompette forte dans mon esprit et ça je n'aimais pas. Et je combattais cette voix, je faisais tout pour étouffer cette voix-là. Parfois je chantais à haute voix, parfois je pensais à autre chose, parfois je partais rencontrer quelqu'un pour qu'on parle. Mais servir Dieu-là, je n'étais pas d'accord. Et à cette époque-là, donc en 2005, je vais déposer mes dossiers pour travailler à l'IRAD. Je serai retenu à l'IRAD. Je devais prendre service en juillet. Et à l'époque-là, je persévérais aux assemblées de Dieu. Et dans une vision, pendant que je suis chez ce frère, étant aux assemblées de Dieu, le Seigneur m'apparaîtra parce que le frère Paul va me dire, il va me demander pourquoi tu es triste. Il a remarqué que j'étais triste et maussade et pâle pendant que nous étions en train de manger à table. Il m'a demandé, Ferdinand, pourquoi tu es triste? Je lui ai dit, parce que le Seigneur m'appelle à son service et moi, je ne veux pas être pasteur, je ne veux pas. Moi, je vais travailler, me battre dans ma vie comme une personne ordinaire, mais être serviteur de Dieu, je ne veux pas parce que je connais ce que c'est. On connaît toutes les retombées, la honte qu'il porte. À cette époque-là, on n'avait pas encore des hommes de Dieu qui se démarquaient vraiment et qui étaient un modèle qui puisse montrer à la génération montante que
Avec Dieu, on peut faire des exploits, on peut être un homme de Dieu, on réussit dans la vie et qu'on mène une vie exemplaire, une vie modèle et pleine de représentativité. Donc, ce qui va se passer, il me dit, ok, avant de dormir, Dieu est notre Père. Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Dis-moi ce que tu veux. Et avant de dormir, j'ai obéi. J'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu m'appelles pourquoi ton service? Pourtant, au Cameroun, on a déjà tout genre de pasteurs, d'apôtres, de docteurs, etc. Qu'est-ce que je vais apporter dans ton église qu'on n'a pas encore vu? Mais je veux savoir pourquoi tu m'appelles. La nuit, je m'endors. Et à peine je m'endors que j'ai une vision. Dans la vision, le Seigneur Jésus m'apparaît. Mais je ne le reconnais pas d'abord. Je vois un monsieur vêtu de blanc, avec un sac noir sur son épaule. Et il s'approche de moi. Et dans la vision, je lui demande, bonjour homme de Dieu. Est-ce que lorsque Dieu vous appela à son service, il vous a prouvé que c'est lui qui vous appelait? Il m'a dit oui. Et il m'a dit, mais... j'ai demandé, comment est-ce que vous avez su que c'est Dieu qui vous appelait? Il a dit, depuis ma naissance, il y a des signes qui m'accompagnaient. Et puis, il y a aussi des prophéties qu'on m'avait données. Mais, je résistais aussi comme toi. Mais lorsque j'ai compris la véracité de la vocation de Dieu et son utilité dans ma vie, j'ai capitulé. Et il s'est retourné, il m'a regardé. Il m'a dit, et toi, tu veux savoir pourquoi je t'appelle à mon service? Ouvre les yeux, regarde. Et c'est là que, en le regardant, je me rends compte que je suis devant mon Seigneur. C'était mon Seigneur qui me parlait. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Et il me dit, ouvre les yeux, regarde. Et il m'a montré, j'ai vu le Cameroun. J'ai vu plein d'hommes de Dieu comme ça. Tout un parterre d'hommes de Dieu. Des évêques, des archevêques, des docteurs, des prophètes, des évangéliques, des pasteurs, etc. Dans tous les cas, tous les saints ministères. Et les autres ministères qu'on a inventés entre-temps. Il m'a dit, regarde, plusieurs s'engagent à me servir aujourd'hui à cause de leur vente. Pour cela, ils retiennent la vérité captive. Ils ne la disent pas. Et beaucoup de mes brebis meurent dans leurs péchés. Mais toi, tu craindras mon nom et tu marcheras devant ma face. Et lorsque le temps sera accompli, tu te lèveras et tu demanderas à plusieurs, où est votre Dieu? Et il s'est mis à pleurer. C'était la deuxième ou la troisième fois que je vois le Seigneur Jésus pleurer dans une vision. Et il pleurait. Et il pleurait sur les hommes de Dieu au Cameroun. Il s'est retourné, il partait. Et il disait, pourquoi divisez-vous mon troupeau? Pourquoi dispersez-vous mon troupeau? Pourquoi égorgez-vous mes brebis? Pourquoi tuez-vous mes brebis? Et il disait, pourquoi? Il se lamentait, pourquoi j'entendais, pourquoi la voix lointaine, jusqu'à ce que sa voix s'évanouisse. Et là, je vais me réveiller. Quand je me réveille, je suis convaincu que le Seigneur est dans la chambre. Et je regarde dans tous les coins et recoins de la maison pour le retrouver. Et c'est peut-être 5 minutes après que je me rends compte que c'était une vision, parce qu'elle était tellement réelle. C'est comme si je ne dormais pas. Et je vais donc dire à ma mère que le Seigneur Jésus m'est apparu et il m'appelle à son service. Et je devais travailler à l'IRAD un mois après. Je ne vais pas appeler à l'IRAD. Je m'appelle à son service. Donc, le travail sur l'IRAD, là, moi, je ne veux plus faire ça. Ma mère s'est opposée. On a donc décidé qu'on devrait prier ensemble et que le Seigneur devrait me dire où et quand je devrais le servir. Elle avait dit que Dieu lui a dit que je dois aller travailler. C'est en travaillant qu'il va m'utiliser pour toucher les autorités. On a pris une semaine de jeûne, on était à Douala à présent. On a prié. Et là, je vais faire une autre vision. Dans la vision, j'étais à Yaoundé, dans le camp, l'ancien camp où j'habitais. Et c'est comme si j'étais allé à Douala dans la vision, mais j'étais à Douala en réalité. Mais dans la vision, c'est comme si j'étais parti à Douala et habitant à Yaoundé. Et je suis retourné à Yaoundé. J'ai trouvé que ma chambre était ouverte et il y avait un monsieur et sa femme et leur bébé dans ma chambre. Et dans la vision, je vois le fils du bailleur. Je lui dis, mais comment vous donnez ma chambre à des inconnus? Pourtant, j'ai voyagé juste pour Douala et je reviens, je donne ma chambre aux gens sans me demander pourquoi. Et il va me dire que non. Je demande où sont mes affaires. Il dit que tes affaires sont derrière là-bas, dans l'autre chambre, dans un magasin. On va, je trouve la porte du magasin entrouverte. Et dans la vision, j'ai peur. Je lui dis, ah, donc on a cassé la porte du magasin, on a volé mes affaires certainement. Il a dit, non, on n'a pas volé tes affaires. Et je lui demande, pourquoi vous me faites un si grand mal? D'abord, vous déménagez, vous donnez ma chambre à quelqu'un sans ma permission. Et maintenant, vous aménagez mes affaires dans une autre chambre sans ma permission et dans un magasin. Et il me dit, écoute, Ferdinand, calme-toi. C'est que quand tu as voyagé, quelque chose s'est passé après toi. Je lui ai demandé quoi? Il me dit que quand tu as voyagé, il y a un homme de Dieu qui est venu ici au camp. Et il a demandé de te voir. Et nous lui avons dit, mon père lui a dit que tu as voyagé, tu n'es pas là. Alors l'homme de Dieu a dit, qu'on te dise la parole de l'Éternel. Il a dit, dis-lui. Et là, dit à mon père, dis-lui quand il reviendra, ainsi parle l'Éternel. Va au séminaire de théologie des assemblées de Dieu à Côte-Op. Va te faire former là-bas, car c'est là que l'Éternel, ton Dieu, t'envoie.
Et il a dit à mon père de te dire que quiconque essayera de te retenir pour un seul jour, s'attirera la colère de l'Éternel. Et il a dit à mon père de te dire que tu as remarqué que partout où tu es passé depuis ton jeune âge jusqu'à ce jour, tu as été distingué. Parce que l'Éternel, ton Dieu, a mis un signe sur toi pour ce temps-ci, car voici venu le temps de l'encre pleine. Et quand le temps sera accompli, tu te lèveras, tu demanderas à plusieurs où est votre Dieu. Et quiconque essaiera de te retenir, s'attirera la colère de l'Éternel. Et voici le signe qu'il a donné à mon père. Il a dit à mon père, voilà ta femme. C'est-à-dire ma baïresse. Elle tombera malade en un jour. Elle tombera dans le coma le même jour. On la transportera à l'hôpital le même jour. On l'opérera le même jour. Elle sortira du coma le même jour. Sa blessure cicatrisera le même jour. Elle reviendra à la maison le même jour. Elle sera rétablie le même jour. Tous ces signes s'accompliront en un seul jour. Et il m'a dit dans la vision, regarde ma mère. Sa maman avait le pain attaché ici à la poitrine. Elle était en train de laver soit les habits ou bien les assiettes. Et il m'a dit, toute la parole qu'elle était, et l'homme de Dieu a dit de te dire que l'Éternel, ton Dieu, veillera sur toute la parole qu'il a prononcée à ton égard pour l'exécuter. Et il dit que toute la parole que l'homme de Dieu a donnée comme signe s'est accomplie dans la vie de ma mère. Ma mère est tombée malade le même jour, elle est tombée dans le coma le même jour, on l'a transportée à l'hôpital le même jour, on l'a opérée le même jour, elle est sortie du coma le même jour, la plaie a cicatrisé le même jour, elle a guéri le même jour, elle est rentrée à la maison le même jour. Lorsque mon père a vu ce signe s'accomplir, il a enlevé tes affaires de ta chambre et les a mis au magasin. Il a dit qu'on te dise dès que tu rentres, que tu ramasses tes affaires et que tu partes à Kotor où l'Éternel ton Dieu t'envoie. Si tu ne veux pas aller là-bas, pardon, il ne veut pas de problème avec l'Éternel ton Dieu, que tu ramasses tes choses, tu sortes de son camp, qu'on mette tes affaires hors de son camp. Voilà donc ce qui s'est passé et c'est comme ça que je vais me retrouver aux assemblées de Dieu. Au séminaire des assemblées de Dieu. Et je vais suivre la formation. Je vais aller au séminaire des assemblées de Dieu en 2005. Mais je ne suis pas prêt. C'est-à-dire pour moi, le séminaire, quand j'ai séminaire de théologie là, c'était que tu arrives le matin, on vous sert le café, un bon déjeuner là, midi, un bon repas, le soir, il y a un très bon repas. Vraiment, les chambres sont climatisées, etc. Mais quand je suis arrivé, j'ai été désillusionné. Parce que c'était d'abord la brousse, il n'y avait pas d'électricité là-bas. Et puis c'était les insectes, etc. Donc, il n'y avait même pas la lumière, rien. Les lits même d'abord, les matelas, les côtes font mal. C'est les branchages d'arbres qu'on coupait pour faire les traverses avec. Et il y avait le moutmout. C'est-à-dire que c'est des insectes là qui te sucent le sang. Tu ne vois pas, tu vois seulement comment ta peau enfle. J'ai fait 2 ou 3 jours là-bas. J'ai fui. J'ai dit à Dieu que je ne savais pas que ça allait être comme ça. Voilà comment moi je vais ramasser mes choses la nuit. Je porte mes affaires la nuit. Et chacun se débrouillait. C'est-à-dire que j'étais arrivé là-bas avec 6000 francs. L'argent était fini. Il n'y a pas de restaurant. Chacun vient avec sa marmite, son réchaud, il prépare tout. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Je suis allé comme ça. Donc, chacun préparait sa nourriture, il mangeait. Et puis, d'autres choses qui se sont passées. J'ai dit comment il peut passer, c'est ça la vocation de Dieu là. Moi, j'avais bien dit ça. Moi, j'ai pris mes affaires. La nuit, j'ai pris mon sac, j'ai mis sur ma tête. Je sortais quand il n'y avait pas d'électricité. Donc, dans l'obscurité là, je sortais. Il y avait un homme de Dieu, il savait qu'il y avait un pasteur sur la véranda. Il faisait les gardes. Dans l'obscurité là, je le vois, je suis sur lui, mais il me voit, je suis sur. Mais on essaie de se voir, il veut voir qui c'est. Moi, si j'approche mon visage là pour qu'on se voit bien dans l'obscurité, j'ai mon sac sur la tête, il me dit, mais Pasteur Ferdinand, tu pars où? Je lui dis que non, je fais un petit tour à Douala là où j'arrive. Il me dit que tu pars la nuit comme ça, j'ai dit oui, vraiment, j'arrive. Voilà comment, la nuit, j'ai fui. En fuyant, donc, je quitte les assemblées de Dieu en 2005, là, je fuis. Et c'est pendant ma cavale que je vais faire la connaissance de l'église appelée Jéricho. De l'évangéliste Zacharias. Zacharie, je crois que c'est Zacharie. Donc j'étais à Bepanda, il y avait une campagne d'évangélisation dans un terrain, et puis j'arrive là, je m'arrête, j'écoute l'évangile là, et puis je dis waouh, ça me rappelle la vraie église, hein? Oh là là! Et donc je vais rencontrer donc l'évangéliste là, Zacharie, et après ça, on va causer avec son pasteur de Douala. Et puis, voilà comment je vais connaître l'église de Jéricho. Dans tous les cas, je vais faire 2 années de cavale, 2 années de désobéissance à la voix de l'Éternel, mon Dieu. Et pendant ces 2 années, je vais les passer donc à Jéricho. Je pense que c'est... Oui, à Jéricho, après je vais quitter Jéricho. Et je vais retourner aux assemblées de Dieu parce que en 2007, je fais une autre vision. En 2007, on lance le concours de la douane.
Lorsqu'on lance le concours de la douane, je fais le concours de la douane, et ma mère et moi, on s'est entendu que je devais retourner sur Garoua pour faire l'extrait du casier judiciaire. La nuit, la veille du jour de mon voyage, je dors et j'ai une grande vision dans laquelle un ange du Seigneur m'apparaît et me dit: Ferdinand, si tu fais le concours de la douane, tu réussiras et personne ne t'empêchera de réussir. Mais ce n'est pas où l'Éternel, ton Dieu, veut que tu sois. Retourne au séminaire de théologie des Assemblées de Dieu. Voilà comment le Seigneur va me parler de retourner au séminaire de théologie des Assemblées de Dieu. Et puis, je vais donc prendre la décision de retourner de façon ferme. Voilà comment en 2007, je vais retourner aux Assemblées de Dieu, au séminaire de théologie des Assemblées de Dieu. Voilà. Et puis, il y avait tout ce qui s'est passé là-bas. À ce moment, on a eu des problèmes. Et jugeant que je n'étais plus en sécurité, j'ai fait une lettre de démission en bonne et due forme. Je ne suis pas quitté les Assemblées de Dieu avec des problèmes avec quelqu'un. Ni de Jéricho avait le problème avec quelqu'un. Non, non. J'ai fait une lettre de démission. Je suis allé voir le responsable national, le reverend Etouba, qui est mort aujourd'hui. Et je suis allé, je lui ai donné ma lettre de démission. Il était avec le reverend Gar Félix. Ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai dit que je ne peux plus travailler dans une église où on n'a pas confiance en moi. Et il y avait d'autres raisons personnelles. Donc, j'ai donné ma démission en toute bonne et due forme. On a causé. Et puis on a ri ensemble et je suis parti. Je ne suis pas parti avec une seule brebis, ni de Jéricho, ni des Assemblées de Dieu. Bon, après, il y a eu des problèmes. En 2011, je pense, 2011, fin 2011, j'étais invité aux Assemblées. Non, j'étais invité au plein évangile. Au plein évangile, c'est un col, quoi là. Plein évangile ici, ah, ça va revenir certainement. Je suis allé là-bas, j'ai prêché. C'était dans deux pleins évangiles même où j'étais allé. J'ai rendu ministère. Et les gens étaient bénis là-bas. Extrêmement bénis. Donc, le deuxième plein évangile où je vais, le pasteur voit comment je rends ministère. Il voit la grâce de Dieu dans ma vie. Il y avait une maman dans son église à qui j'ai dit que vous ne vous êtes jamais marié, vous n'avez jamais commis de mariage, rien, rien. Mais vous êtes marié à Christ. Dieu m'a dit de vous dire qu'il est votre mari. L'église a crié. C'est où le pasteur, ce pasteur, j'ai oublié son nom. Il m'a dit dans son bureau après le culte que la maman, ce qui t'a prophétisé là, en tout cas, tout ce qui t'a prophétisé là, c'est la vérité. Il y avait une soeur là, je pense, il dit que je vois son fiancé qui va en Europe, mais elle hésite et tout. Il dit que j'ai causé avec la fille là dans mon bureau par rapport au garçon. J'ai dit pourquoi tu hésites? Pas. Et pour la maman que tu as dit, Dieu a dit qu'elle est sa femme là et il est son mari. Dimanche passé, elle a célébré son mari avec Jésus. Elle est venue en robe de mari et tout ça. Ouais. Et quand il a vu ces choses-là, il a été marqué. Et il a décidé donc qu'on allait avoir 12 jours de programme. En 2011, les 12 jours de programme, il a lancé. Cinquième jour, il ne m'appelle pas. Sixième jour, il ne m'appelle pas. Septième jour, huitième jour, je l'appelle. Il me dit, je vais te rappeler. Après, je suis allé là-bas, bien le neuvième jour, je l'ai trouvé dans son bureau. Je lui ai demandé, mais mon frère, tu as dit que tu fais un programme avec moi pendant... On va faire le programme pour 12 jours. Et là, tu m'invites plus comment? Il m'a dit que non, tu sais, quand j'ai fait des affiches avec toi là, on allait afficher ça sur les murs de l'Assemblée de Dieu, des Assemblées de Dieu à Tinga. Quand ils ont vu m'appeler pour me dire que le monsieur avec qui tu es là, c'est un bandit, c'est un sorcier, c'est un faux type, il n'est pas vrai. C'est un faux frère. Ne t'associe pas à lui, c'est quelqu'un de mauvais. C'est pas un chrétien là-bas. Elle dit que c'est pour cela qu'il faisait ses enquêtes. Donc, il m'a exclu du programme. Je vous dis la vérité, j'ai pleuré devant lui. Moi, il s'appelle Pasteur qu'il a. Le nom n'a bien sa part. J'ai pleuré devant son bureau. Les larmes ont coulé de mes yeux. Et je lui ai dit que, homme de Dieu, il n'y a pas de problème, ça va. J'ai compris, ça va. Fais ton programme, finis ton programme. Mais s'il est vrai que Dieu m'a appelé, s'il est vrai que toutes ces visions, je les ai eues, et qu'elles sont venues de Dieu qui vous appelle aussi. Dieu me donnera un pupitre, une plateforme dans ce pays-ci-là, en face de vous tous. Et je prêcherai son évangile librement, sans qu'on me fasse de chantage. Je lui ai dit ça. Je me suis levé et je suis parti. Je suis parti. Je ne suis plus jamais retourné chez lui. Jamais de la vie. Il avait cru en ce que les gens lui avaient dit. Quelques années après, toutes les promesses que Dieu m'avait données, de 2005
à 2012, ont commencé à s'accomplir. En 2012, le Seigneur m'a dit, lève-toi, le temps est venu, lève-toi. Je vais accomplir mes promesses dans ta vie maintenant. Et je me suis levé, j'ai commencé à rendre ministère. J'ai commencé le ministère fort, fort. 2012 déjà, au 2012-2013, on faisait déjà 5000 personnes à l'Omnisport là-bas, à l'agence locale, où il y a le magasin Orca aujourd'hui. C'est où l'église était. On faisait 5000 personnes les nuits de prière tous les mois. La ville a commencé à bouger. À l'époque, j'étais presque le seul homme de Dieu qui faisait les nuits de prière dans la ville de Yaoundé. La ville a commencé à bouger. La renommée a commencé à se répandre au milieu de tous ces frères-là. Je présentais mes émissions au plein évangile, à Radio Bonne Nouvelle, à Vessois là-bas, où beaucoup de frères sont du plein évangile, avec qui on a travaillé. Il y en a certains d'entre eux qui ont commencé à parler mal de moi, comme c'est Benjamin, Yakana, je crois, c'est Yakana. Non, est-ce que c'est Benjamin? Il y avait un frère là, c'est Yakana, je crois. Hein? Qui ont commencé à parler du mal de moi, je pense, c'est Yakana. Racontait du mal de moi et les brebis venaient me voir. Les frères du plein évangile, les soeurs, d'autres ont été combattus par ces gens-là. Quand on te voit, tu suis le prophète Carl Ferdinand, tu suis le faux prophète, c'est un faux prophète. Maintenant, c'est des gens avec qui on a été. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. Ils ne m'ont jamais rencontré dans un milieu sale. Ils ne m'ont jamais rien reproché. Vous leur demandez, il t'a fait quoi, lui? Tu l'as vu en train de faire quoi de mauvais? Aucun d'eux ne dira rien. Personne d'eux. C'est ça la vérité. Les frères des assemblées de Dieu ont dit, faut pour aussi, voilà, c'était le pasteur, faut pour aussi du plein évangile. Lui, on dit que je suis mauvais, je suis un sorcier. Qu'est-ce qu'il a vu? Le témoignage de Dieu qu'il avait vu. La prophétie que j'avais faite sur ses enfants sans le connaître. Sans connaître ses enfants. Et que lui-même a confirmé disant que frère, tu portes une grande grâce de Dieu dans ta vie. Le témoignage là, qu'est-ce qu'il en a fait? Ouais, c'est très dangereux lorsque parfois nous laissons le témoignage de Dieu pour suivre le témoignage des hommes et plaire aux hommes. Parce qu'on ne veut pas perdre cette association-là avec un certain groupe de personnes. On ne veut plus perdre cette identification à ce groupe de personnes. Mais qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Il avait oublié que lui-même avait parlé. Prenons les assemblées de Dieu aujourd'hui qui m'insultent, qui disent que je suis un faux prophète, tout ça. Le pasteur Félix, pasteur Félix, qui était le doyen des étudiants quand j'étais aux assemblées de Dieu, quand j'étais à l'école. Je peux pas. Aujourd'hui, là, je parle ce que je peux parler. Demain, je reviendrai, je vais continuer. Nga Félix. Le pasteur Nga Félix, je pense que c'est l'un des plus grands prédicateurs, sinon le plus grand prédicateur des assemblées de Dieu au Cameroun. C'est quelqu'un pour qui j'ai un très grand respect jusqu'à aujourd'hui. J'ai un grand respect pour cette personne, pour cet homme. Tout cela, j'ai un grand respect pour eux. Vraiment, je n'ai aucun problème avec personne. Ce sont eux qui ont des problèmes avec moi. Parce que je comprends qu'en tant qu'ancien vendeur de CD, les gens sont trouvés inacceptables que Dieu fasse de moi ce qu'il a fait aujourd'hui. Et là même, il n'a pas encore commencé. Donc, le pasteur Nga Félix, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il pense de moi. Mais quand j'étais au séminaire de théologie à l'école, il était le doyen des étudiants. C'était notre doyen. Un jour, l'Éternel m'a adressé la parole vers lui. Dieu m'a dit, va et dis-lui ainsi, parle l'Éternel. Et je lui ai donné une prophétie. Je ne vais pas revenir sur la prophétie. Je lui ai donné une prophétie dans laquelle le Seigneur disait qu'il allait l'enlever de l'école pour l'envoyer quelque part. Il m'a appelé dans sa maison, il a appelé sa femme, il a dit, écris la prophétie. J'ai écrit la prophétie et j'ai remis. Quelques temps après, quelques semaines ou mois après, la parole de l'Éternel qui avait été adressée par ma bouche est accomplie. On l'a enlevé de là, on l'a envoyé où la parole de l'Éternel avait dit. Avant que la prophétie s'accomplisse, un jour il m'a rencontré à l'école biblique, au séminaire théologique des assemblées de Dieu. Donc, et il m'a dit ceci, je n'oublierai jamais ça. Il m'a dit, Ferdinand, pasteur Ferdinand, il m'a dit, Dieu va t'élever dans ce pays et dans les nations de la terre. Dans plusieurs nations de la terre. Dieu va t'élever dans ce pays et dans plusieurs nations de la terre. Et Dieu t'élèvera, tu seras tellement grand que moi-même, je ne serai pas digne de dénouer la courroie de tes chaussures. Ça, c'est ce que le pasteur Nga Félix, la prophétie qu'il m'a donnée, si je me souviens, c'était mon professeur. Il a dit que Dieu va m'élever en sorte que lui-même
qui est aujourd'hui vu comme la vedette des assemblées de Dieu, ne sera pas capable de dénouer la courroie de mes chaussures. C'est une prophétie à laquelle j'ai cru. Maintenant, quand elle s'accomplit, les gens disent que c'est la sorcellerie, ou bien que même Dieu les a utilisés pour prophétiser. Même le pasteur Pascal, le pape Pascal, il s'appelle même comment là? Celui qu'on a, on a envoyé à Tinga dernièrement, il y a un temps là qui était à Tinga. Il s'appelait qui? Il avait difficulté à parler comme ça. C'était mon ami. C'était mon ami comme ça. Mais quand j'ai vu qu'il était les assemblées de Dieu, ce que j'ai appris qu'il disait de moi, c'était pas gentil dans tous les cas. Maintenant, vous lui demandez, qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu as quel problème avec le frère? Personne d'eux ne dira, voici le problème que j'ai avec lui. Les frères de l'Émec, on m'a invité, je partais prêcher à l'Émec à l'époque, dans les années 2012. J'allais prêcher à l'Émec. On m'a invité en 2011, je pense. Je suis allé prêcher à l'Émec à Issos plusieurs fois. J'ai prêché, les frères à l'Émec ont demandé que l'homme s'y vienne d'où? L'église, les gens ont demandé que cet homme vienne d'où? Et je pense même qu'à cause de cette notoriété, on avait notre programme des anciens calés, on bloquait ce programme-là parce que Dieu m'avait donné une telle facilité à prêcher sa parole. Et les gens étaient marqués, les gens m'aimaient tellement. Quand j'ai commencé la soirée des solutions, les frères de l'Émec étaient pleins comme ça. Mais après, les pasteurs de l'Émec, certains pasteurs, pas tous, ont commencé à me condamner. Qu'ils ont commencé à voir la main de Dieu agir dans ma vie. Commençant à dire que j'ai trempé. Et bon, non, j'ai trempé. Le frère pratique la sorcellerie. Bon, maintenant, on va te demander que la sorcellerie du frère là, c'est où? Va nous montrer ça, tu vas essayer, tu pourras le faire. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire tout simplement que l'œuvre de Dieu, on n'a pas besoin de ça, sincèrement. On n'a pas besoin de ces choses-là. On n'a pas besoin de ça. Maintenant, les Yakana racontent des choses. J'ai vécu avec une soeur que j'ai encouragée du plein évangile, qui a été menacée dans son église, excommuniée, parce qu'elle me suit, parce qu'on l'a vu à la télé à Réma. Et ces pasteurs regardent la télé pour localiser leurs fidèles et tout. Maintenant, les gens, on te dit que quelqu'un est sorcier. Toi, tu vas te pour ses enseignements. Ces enseignements t'édifient plutôt. Ces enseignements te rapprochent de Dieu. Tu sens que le témoignage de Dieu en toi est différent et contraire à celui de ton pasteur. Mais la personne décide que moi, je vais aller voir le pasteur là, le prophète là, de mes yeux pour voir ce qui se passe. Et les gens viennent et l'Esprit de Dieu les convainc. Ils comprennent que non, le type dit vraiment, le mal qu'on dit de lui là, c'est des calomnies, c'est des accusations gratuites. C'est des choses fortuites. On a été à l'Émec, j'ai connu des jeunes pasteurs à l'Émec avec qui on était bien, on s'entendait bien. Mais qui ont commencé à dire du mal de moi, me saboter. Qui parlent du mal de moi, il y a un jeune homme de Dieu à l'Émec, un jeune frère, je passais pour qui j'avais beaucoup, beaucoup d'estime. Et que j'ai toujours beaucoup d'estime parce que je n'ai aucun problème avec eux. Sa femme me suivait partout à l'époque. Quand j'arrivais, je programme, elle arrive. Dès qu'elle apprend que le pasteur a un problème quelque part, elle vient parce qu'elle est édifiée. Mais son mari lui a donné les ultimatums, lui disant que ne tente même plus jamais d'aller là-bas. Lorsque Dieu a commencé à manifester sa grâce dans ma vie. Pourquoi? Parce que certains pensaient que j'allais finir ma vie à leur faire des courbettes. Ou que j'allais finir ma vie à vendre les CD. Mais ils ne savaient pas que j'étais enceinte des promesses de Dieu. Voyez. Aucun homme ne détient la destinée d'un autre homme dans sa main. Au lieu d'être heureux, les assemblées de Dieu devaient être heureuses. Que c'est nous qui l'avons formé. Et se vanter de ça. Mais au lieu de cela, les gens prennent ça mal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait des choses que les assemblées de Dieu n'ont pas faites. Les assemblées de Dieu au Cameroun, c'est une grande organisation. Mais en peu de temps, nous avons réalisé des choses qu'ils n'ont pas réalisées. Est-ce que c'est moi le problème? C'est Dieu le problème. C'est Dieu qui a décidé que les choses devraient être faites de cette façon-là. Donc moi, je suis fier d'avoir été un produit des assemblées de Dieu. Ça c'est clair. Bon, mais la calomnie qu'on dit là, ça sert à quoi? Vous gagnez quoi dedans? Sincèrement, vous gagnez quoi? Moi, je n'ai aucun problème avec vous. C'est vous qui aurez les AVC. Et c'est pour cela que l'église de Jésus est fragilisée. Elle est affaiblie à cause de ce genre de comportement. Moi, je ne peux pas prendre mon pupitre pour aller insulter un homme de Dieu. Ça, le Seigneur me l'a interdit parce que c'est une malédiction, c'est un anathème. On ne parle pas contre les oies de Dieu. Et c'est une mauvaise habitude qu'on donne aux brebis. Une brebis qui est intelligente, quand son pasteur commence à prêcher contre d'autres hommes de Dieu,
Elle connaît que ça, c'est la jalousie. Ça, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Ça ne vient pas de Dieu. Non. Parce que si tu as quelque chose contre ton frère, tu dois aller le voir. Combien de vous, vous êtes venus me voir pour dire que prophète Kane Ferdinand, vraiment, je suis venu parce que j'ai appris tes choses, bien j'ai vu tes choses. Combien de vous? On ne s'est jamais croisé dans un bar. On ne s'est jamais croisé dans une boîte de nuit. La plupart même de ceux qui me condamnent, leurs œuvres sont comment devant l'Éternel, notre Dieu. C'est ça la réalité. Je causais, il y avait une soeur qui m'a demandé pourquoi je ne m'approche pas des pères de l'église au Cameroun. Je lui ai dit qu'à un certain moment, j'étais le défenseur principal des pères de l'église au Cameroun. C'est ça la vérité. Je défendais les pères de l'église au Cameroun et j'encourageais mes frères à aller vers les pères. Mais je lui ai dit que j'ai arrêté parce que les pères vers lesquels je suis allé m'ont déçu. Ils m'ont blessé. C'est ça la vérité. Vous dites que vous avez des pères au Cameroun, des pères de l'église. Lorsque mon épouse est décédée, combien sont venus? En dehors de papa Ngou, Raymond et de papa... papa l'autre. Papa Ondoa, qui est venu? Qui? Ceux même vers qui je partais, papa Ngou, papa Ondoa même, c'était des pères et qui n'ont, je veux dire que, qui n'ont même rien bénéficié de mon ministère aujourd'hui. Mais les pères même qui participaient à la graisse de mon ministère, personne de n'est venu. Et l'un d'eux m'a vu lors de la mort, les ancêtres du docteur Charles Somba, devant les gens, devant mes fils et devant ses fils, il m'a presque insulté, humilié. Je n'ai pas répondu. Il m'a insulté, humilié, pourtant il n'est pas venu au deuil. Mais quel message je devais comprendre? J'ai compris ce que je devais comprendre. Je me suis recroquevillé. C'est là que certains de mes frères m'ont dit, on t'avait dit que les pères du Cameroun n'encouragent pas leurs fils. Ils les condamnent. Mais si un père ne te connaît pas, mais il a déjà des préjugés sur toi, à cause des choses qu'on lui raconte, c'est ça un bon père? Mais un père, mon ami, c'est celui qui dit que, appelle-moi mon fils là. Et on l'appelle. Mon fils, j'apprends telle chose de toi, est-ce que c'est vrai? Mais non, le fils va s'humilier. Et je disais à la soeur avec qui j'ai causé hier que moi, si un père de l'église, j'apprends que non, papa, tel t'a appelé, papa Bakker t'a appelé. Mais si je fais quoi, je vais arrêter pour aller écouter. Mais ce sont ces préjugés-là, et c'est pas... Et puis à ce moment, vous dites que c'est Dieu qui m'a appelé. Et vous dites, vous êtes redevable à Dieu qui vous a appelé. Parce que la paternité a ses responsabilités. La paternité a des responsabilités qu'il faut manifester. Un fils, quand on parle de fils, il a ses responsabilités. Le père a ses responsabilités. Mais si c'est vos pères même qui vous jugent, qui vous insultent, qui vous calomnient, qui disent du mal de vous, vous irez avec quelqu'un qui ne croit pas en vous pour faire quoi? Non, c'est mieux de continuer avec le Dieu qui t'a appelé. Et puis un jour, l'histoire. Au Cameroun, l'histoire, on racontera l'histoire. On dira, vous direz ce que vous avez fait. Vous direz au Cameroun ce que vous avez fait. L'histoire vous demandera des comptes et me demandera aussi des comptes. Chacun dira, montrera l'œuvre qu'il a faite avant de mourir. Qu'est-ce que tu as fait pour le pays? Qu'est-ce que tu as fait pour l'histoire de l'église au Cameroun? Parce que le plus important, c'est l'édification du corps de Christ. Les guerres, vraiment, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai aucun temps pour cela. Donc, pour moi, ce que j'achève, ma prière, ma guerre, c'est d'achever dans de bonnes conditions l'œuvre du ministère que le Seigneur Jésus-Christ m'a confié. C'est ça mes pleurs devant Dieu. C'est pour ça que je pleure. Bon, maintenant, si quelqu'un ne m'aime pas, je ne vais pas forcer les relations, mes amis. Non, jamais. Je ne vais pas forcer les relations. Quelqu'un me calomnie, il sait pourquoi. Peut-être c'est son rôle, peut-être que Dieu l'a chargé de ça. Ça m'étonnerait. Mais la personne fait son ministère. Chacun tient. Soit de Dieu, bien soit je ne sais pas de qui. Son ministère. Mais nous, on n'a pas cette habitude. Et chez moi, dans notre église, c'est interdit de parler contre les hommes de Dieu. D'autres, c'est leur habitude, c'est leur culture. Ouais. Donc les gens ont commencé à parler. Les papas Zacharie de Jéricho, qui parlent mal de moi. Les gens viennent, ils me rapportent des choses qu'ils disent et des choses que je connais. Des choses qui sont vraies qu'ils disent. Que moi-même j'ai entendu, ce que je connaissais, que ça là, il a dit, la personne a dit des choses comme ça. Si un père calomnie son fils, mon ami, il y a ce qu'on appelle la délinquance sénile aussi. Hein. Un père qui calomnie son fils, où la paternité dedans, où le respect, où la paternité, il ne se respecte pas en fait. Un père, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine dignité. C'est une lourde responsabilité. Quand on dit que tu es un père,
père là. Pourquoi on t'appelle papa? Il y a la dignité dedans. Il y a la maturité dedans. Il y a la responsabilité dedans. Il y a l'équilibre dedans. Il y a des valeurs qu'on doit voir à l'intérieur. Parce qu'il y a une autorité qu'un père doit dégager. Mais si un père fait encore comme les enfants, mais les enfants feront comment? Les enfants vont mettre le pied où? C'est ça un peu qui nous embrouille en fait. Hein? Donc, moi je pense que le Seigneur m'a appelé, je n'ai pas besoin de justifier ça à quelqu'un, ça je m'en fous, sincèrement. Et ça, les gens me connaissent assez pour ça. Je m'en fous. Je n'ai pas à me justifier devant quelqu'un. Donc, ça n'empêchera pas. Plus les gens parlent, les gens nous insultent, les gens disent du mal, que ce soit les mecs, que ce soit les assemblées de Dieu, que ce soit plein d'évangile, les gens parlent, que ce soit Jéricho, les gens parlent. Et ça empêche que Dieu se manifeste. Et ça empêche que l'œuvre de Dieu continue. Il faut que vous compreniez une chose. L'œuvre de Dieu est évolutive. Nos parents ont fait jusqu'à au point qu'ils sont arrêtés. Nous prenons le flambeau là-bas, on continue. Le royaume de Christ n'est pas seulement ce que nos parents nous ont enseigné. Il y a plus que ça. Plus que ça. La Bible dit Onomos, diamantios et doté. Kaite alete ya, kaite karis, dia Jésus Christ et geneto. La loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus Christ. Donc Moïse a porté la loi et il est mort. C'est un parent de Jésus. Quand Jésus arrive à son époque, il apporte encore, hormis la loi, il apporte maintenant la grâce et la vérité. Tout ça qui vient de Dieu, en fait, le même Dieu qui opère toutes ces choses-là. On ne dira pas que non, Jésus est venu, il doit continuer dans la loi parce que vraiment, Moïse, son père, n'a enseigné que la loi. Non, nos parents se sont limités, ils pouvaient se limiter. Nous prenons là et nous avançons avec le flambeau. Et où nous nous arrêtons, les générations futures doivent aussi commencer là-bas pour continuer. Il y a des opérations de l'esprit que nos parents n'ont pas connues. Parce que Dieu dit à Moïse lui-même, il dit, je m'appelle l'Éternel. Il dit, vos pères, tes pères ne m'ont pas connu sous ce nom. Tes pères ne m'ont pas connu sous ce nom. Mais toi, tu me connais sous ce nom. Donc Moïse ne veut pas dire, non, ça je ne veux pas ça. La révélation de l'Éternel, là je suis là, moi je ne veux pas ça. Non, je ne veux pas la révélation là parce que mes pères ne m'ont pas montré comme ça. Je connais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Je ne veux pas, je suis. Mais l'Éternel lui dit, tu m'as connu par tes pères comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, tu me connais, je me révèle à toi comme je suis, comme l'Éternel. Je suis. Mais tes pères ne m'ont pas connu comme ça. Donc, il faut que les gens comprennent que Dieu peut se révéler au Fils comme il ne s'est pas révélé au Père. Nous prenons la révélation des pères, de Dieu au Père, comme la base de notre ministère et de notre foi. Mais cependant, Dieu se révèle aussi à nous dans des dimensions que les pères n'ont pas connues. Maintenant, si les pères, au lieu de s'en remettre à Dieu qui les a appelés, pour comprendre que les fils ils sont en train aussi de manger le pain d'une autre dispensation, Dieu leur aussi donne le pain d'une autre dispensation, eux aussi sont pionniers d'une autre dispensation, d'une autre saison avec Dieu. Mais veulent que les fils demeurent dans l'ancienne saison, dans ce formalisme-là, dans ce traditionnalisme-là, dans ce conformisme-là, je dis que ça devient du suivisme moutonnier en fait. Là, on ne fait plus l'œuvre de Dieu. Non. Dieu nous a aussi donné une autre révélation. Nous sommes pionniers, détenteurs et dépositaires d'une autre révélation. Nous l'apportons à notre génération. Donc, c'est ça que les gens doivent comprendre. Donc, je vais dire à mes jeunes frères, vous ne gagnez rien à me saboter, à me dire, à dire du mal de moi. Vous n'êtes pas parfait. Et vous mentez sur beaucoup de choses me concernant. Je vous pardonne et je vous aime malgré tout. I love you. Ça, il faut que vous le sachiez. J'ai mal pour vous. J'ai mal pour vos brebis. Parce que je m'imagine avoir ce genre de pasteur qui passe son temps à un pasteur qui fait de Congo ça plus qu'une femme. Pasteur qui calomnie plus qu'une femme. Nous, on a envoyé les femmes au chômage. Et vous voulez que vos brebis vous respectent comment? Moi, mes enfants me respectent parce que je ne suis jamais venu appeler le nom d'un homme de Dieu pour l'insulter, le saboter. Je n'ai jamais dit que n'allez pas dans telle église. Je n'ai jamais dit que tel homme de Dieu est un sorcier. Je n'ai jamais dit ça. Je ne l'ai jamais fait. Je ne le ferai jamais jusqu'à ma mort. Et les gens me respectent. Ils comprennent que j'ai certaines valeurs. J'ai de la dignité. Donc, bien-aimés, ça ne vous sert à rien. Depuis que vous le faites plus de 10 ans aujourd'hui, ça n'a rien changé à ma vie. Au contraire, vous exposez aux AVC. Vous exposez à des maladies cardiovasculaires parce que plus tu parles contre quelqu'un, ça veut dire que tu souhaites voir la personne tomber
Mais tu vois que la main de Dieu le fortifie dans son œuvre parce que Dieu traite avec chacun de nous selon son cœur. Ils sont les cœurs, ils sont les reins. Donc, c'est le cœur. Chacun de nous, c'est le cœur. Donc, que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc, je veux dire à l'Église, soyons unis. Les jalousies là, les guerres fratricides là, ça ne sert à rien. Cherchez à ce que ton frère tombe, ça ne sert à rien. Ça ne t'aidera en rien. Ça ne va à rien. Plus tu parles même du mal, c'est où ton église est en danger. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé faire cela. C'est de la méchanceté. Tout simplement, ça ne sert à rien. Donc, laissons les choses qui n'ont pas aidé ceux qui les ont pratiquées par le passé. Donc, je voulais vous dire que je vous aime. Benjamin Yakana, je t'aime. Je comprends. J'apprends tout ce que tu dis. C'est rien. La vie, c'est rien. Je sais que vous n'auriez jamais cru que le vendeur de chez de là, celui qui venait supplier à Radio Bonne Nouvelle pour avoir l'espace pour prêcher, puisse devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais malgré ces choses-là, j'ai soutenu Radio Bonne Nouvelle comme j'ai pu. En Gaoundéré, j'ai soutenu Radio Bonne Nouvelle. C'est ça la vérité. J'ai donné l'argent, c'est combien, c'est 500 000, c'est combien, pour Radio Bonne Nouvelle en Gaoundéré. Je savais que certains frères de la Radio Bonne Nouvelle m'insultaient, mais je n'ai pas de problème avec eux. J'ai fait cela. Je suis arrivé à Bertois. Radio Bonne Nouvelle ne mettait pas un certain temps-là. J'ai enlevé 500 000 francs. J'ai donné au directeur de Radio Bonne Nouvelle. Je l'ai invité à l'église. J'ai dit à l'église de cotiser. On a cotisé. On a mis tout dans le plastique. On lui a donné. Il est parti avec. Je l'ai fait par amour. Et c'est là que vous ne me battrez jamais. Parce que mon cœur est différent de votre cœur. Vous n'auriez jamais fait ça. C'est ça la vérité. Quand quelqu'un vous calomnie ou dit du mal de vous et la personne en détresse, vous enlevez votre argent pour secourir la personne. Vous n'auriez jamais fait ça. Pourquoi? Parce que j'ai compris que la vie ici, c'est zéro, mes frères. Je ne veux jamais faire d'un homme mon ennemi. Que Dieu m'en préserve. Je ne le ferai jamais. Dieu a gardé mon cœur jusqu'ici. Il me gardera jusqu'à ma mort. Je finirai ce que j'ai à faire et je vais retourner. Comme tout homme, je vais mourir. Au temps convenable, je vais retourner vers le Seigneur. Mais si tu ne veux pas voir ma tête, tu vas encore souffrir un peu. Tu vas supporter. Je vais encore se serrer un peu là. Jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle. Pour le moment, on est encore ensemble. We are together. On est ensemble, bro. Ne t'en fais pas, on est ensemble. Donc, ne vous faites pas de mal pour rien. Le prophète Kane Ferdinand n'est pas votre ennemi. Cherchez vos ennemis ailleurs. Je n'ai jamais prêché quelque chose qui soit contraire à la doctrine biblique. Peut-être j'ai prêché des choses que vous ne comprenez pas. Parce que vous n'avez pas encore accès à ces dispensations. Nous faisons toutes choses en plein jour. C'est ça la réalité. Tu as quelque chose à me dire, viens me voir. Mes programmes sont en public. Tu viens me rencontrer, tu me dis, papa, derrière parler, c'est pas bon. La Bible dit que si tu as quelque chose contre ton frère, va vers ton frère, dis-lui. Parle-lui seul à seul. Parle-lui seul à seul. Si ton frère t'écoute, il a gagné. S'il n'écoute pas, prends deux témoins. Retournez. Deux, trois témoins. S'il ne vous écoute pas, ok, parle maintenant à l'église. C'est ça la réalité. Tu es déjà venu me voir pour me parler comment que j'ai appris telle chose. On s'est déjà vu où tu m'as dit, je t'ai fait quoi de mal. On te demande que l'homme là, que tu dis qu'il est, il a trempé là. La sorcellerie là, va nous montrer où il fait la sorcellerie là. Tu seras capable. Tu vas dire que non, j'ai seulement, c'est Dieu qui m'a révélé. Quel Dieu? C'est le Dieu de ta jalousie qui t'a révélé ça. Si tu es quelqu'un, tu n'aimes pas une personne, c'est normal que tu rêves que la personne a les cornes. Excusez-moi de me parler. Il y a des attitudes que je n'arrive pas à comprendre. Bon, c'est comme si c'est l'envoûtement. Ouais. Donc si tu es quelqu'un, c'est normal que tu rêves que la personne a matché dans le ventre, elle était dans les rêves. Et si tu aimes quelqu'un, c'est aussi normal que tu vois qu'elle est vêtue comme un ange, comme un ange Gabriel pour venir te bénir. On dit que le Seigneur m'a révélé qu'il est sorcier. Quel Seigneur? Tu ne m'aimes pas et tu veux que tu me vois bien dans tes rêves, comment mon ami? C'est un peu comme si quelqu'un va demander mon témoignage. Il peut prendre des renseignements sur moi, chez mes ennemis. Toi-même, tu vois, quelqu'un qui veut investir dans ta vie, il va toquer la porte de ton ennemi. La porte de ton ennemi. Il peut prendre des renseignements. Que, est-ce que la femme là est une bonne personne? Est-ce que l'homme là est une bonne personne? Toi-même, tu sais que c'est fini. L'investissement là, tu l'as perdu. Tu l'as perdu parce que ton ennemi ne dira rien de bon de toi. Parce que quand quelqu'un te hait, que tu fasses ce qui est bien, il ne va jamais apprécier. Ce qui est mauvais, il ne va jamais apprécier. Tout ce qui vient de toi là est mauvais, d'office. Il ne va même pas regarder. Ce que les autres gens font, il apprécie. Toi, tu vas venir faire là, il va dire que c'est mauvais. Parce qu'il ne t'aime pas. Donc, c'est ça.
Ne demande pas mon témoignage à mes ennemis, pardon, ils vont me crucifier. Demande à ceux, soit à mes amis, ou bien demande à ceux qui sont neutres, qui sont impartiaux. Eux, quand même, ils peuvent te dire que voilà ce que je pense, parce qu'ils ont encore le bon sens. Mais une personne dont la pensée, le bon sens, la bonne conscience a été empoisonnée par la haine, la jalousie et bien d'autres choses mildiosantes comme celle-là, va dire quoi de bon de moi? Donc, pardon, 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 pardon. Que Dieu bénisse. Bien aimé, la haine ne sert à rien. C'est pas bon. Ça rend malade, c'est pas bon. Je ne hais personne, hein. Je suis le genre de personne, je n'envie personne. Dieu te bénit, il te donne n'importe, il te donne toute la terre. Je vais dire gloire à Dieu, je vais célébrer avec toi. C'est pour ça que mon ministère aussi, comme il est, parce que c'est le reflet, la réminiscence, la rémanence, la réverbérance de mon cœur, en fait, le reflet de mon cœur, tout simplement. Et un cœur propre, et Dieu te défendra. L'innocence est un bouclier. L'innocence est une grande protection. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous demain à 10h. Je vais continuer avec l'histoire. Si je vais entrer dans plus de détails demain, on verra. Et ce soir, c'est la clôture de mon programme dans la ville de Berthois. On finit ce soir. Ne manque pas, le programme est ancien. SCT, à partir de 16h. Mais je vais commencer très tôt ce soir parce que je veux prophétiser comme un malade. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.